quelle chance. C'est pour Paris Première, Paris by Night. Bah voilà. Do you know that bad girls go to hell? C'est marrant de voir ton visage, en fait, parce qu'on connaît ta voix, mais... C'est space, hein. Il paraît qu'ici on vient pour négocier ces transferts. Il paraît qu'il y a tout le monde de la télé et tout. Ah bah ça va être génial. Il paraît que c'est l'endroit où il faut être. Eh ben on va le négocier maintenant alors. Et tu vas où l'année prochaine toi? Je vais chez moi et en vacances. Ça ah va oui, t'arrêtes la télé là? Oui, ah oui. Regarde-moi bien. Je suis une idole. Si j'ai fait mes yeux, c'est pour agrandir les deux petits quinquets que maman m'a donné. Je les voudrais bien verts, d'ailleurs je le fais dire, mais ils sont châtains en réalité. J'ai mis mon costume sorti du pressing, ce vestiaire anglais où on lave même le spleen. Un chanteur qui chante là. Toi aussi, tu viens pour changer de chaîne? Moi, bon, t'es fou quoi? Il paraît que c'est ici qu'on négocie les nouveaux contrats pour l'année prochaine. T'as négocié quoi toi? Bah, je sais pas, il m'aurait dit qu'il y aurait tout le monde ici. Ah, ils sont tous là. Ouais. Vas-y avec ta DI, vas-y. Je suis une idole. Alors, hey, t'as négocié un contrat, t'as DI? Mais ou je quoi sais pas, j'attends. J'attends que quelqu'un me parle. Est-ce qu'il veut lâcher un peu, Thierry? Est-ce qu'il va lâcher un peu de thunes? Je sais pas, ça, je vais négocier avec lui aussi, t'inquiète pas. Bah, je crois qu'il faut que tu tapes un peu. J'ai bronzé ma gueule d'un vieux fond de soleil qu'on me refile en tube chez mon parfumeur. Et quand je fous mes codes sous l'arc des merveilles, on voit des canaux. C'est vous qui animez la soirée? Non, je n'aime pas la soirée. C'est parce que le Théâtre de l'Empire, c'est le studio de notre émission. Ah oui? Ah donc, quand j'accueille les gens en leur disant c'est tellement sympa d'être venu pour l'émission ce soir, pour fêter avec nous. Ah, c'est un gag. Je croyais que vous faisiez un ménage, que vous étiez payé pour ce soir. Que je faisais le ménage? Non, en France, on appelle ça faire un ménage. Ah, d'accord. Vous savez, quand les animateurs de télé font un petit boulot en plus. Non, vous faites vraiment votre émission de télé. Oui, je fais vraiment. Et je fais le ménage aussi dans l'émission de télé. Je me ramasse aussi dans la loge. Je fais les deux. Vous allez bien? Ce sont les rôles inversés, là. Exactement. Hein? C'est terrible quand on arrive et on essaie de... Non, on vient à une fête et en fait, on travaille. Ça va pas du tout. Regarde-moi bien, je suis une idole. Et je retrouve mon corps, celui que je rencontre les mains. C'est le festival de Cannes de la télé ici. Très bien. Et toi? Oui, ça peut aller. T'as vu, c'est les marches, le tapis rouge, il y a tout. Ouais. J'étais pas bien d'ailleurs, moi je voulais rentrer par le côté. Mais... Ah oui, pourquoi? Parce que c'est curieux. Ah oui? Ouais, c'est une sensation. Habitue-toi. Oui, mais non, je vais pas m'habituer, je pense. C'était dédié à Lichter, je crois. Ouais. Bon, on va bien s'amuser alors. Je sens, ouais. J'adore. En tout cas, mais ça vient. Merci. Et pour Vincent, c'est le moment où on négocie avec toutes les chaînes. Donc tout le monde doit négocier à mort. On va voir ça. Bonne chance. Quand je me prends pour moi, le même que l'on voit, le même que l'on montre à je ne sais plus qui, pour je ne sais plus quoi. Je vais souper traqué dans un coin avec mes copains sur mon addition, en rasant les tables, en me cachant des mains,
en disant tout bas la fin de ma chanson. Et comment ça se fait que t'es arrivé si tôt comme moi? Parce que j'avais faim, je me suis dit si je viens trop tard, il y aura plus rien. On va que c'est vrai, oui. C'est une bonne... T'as l'habitude de ces fêtes? Pas spécialement, non. Non? Non, juste un petit peu. Pour savoir un truc comme ça, il faut que tu sois venu souvent quand même. Non, juste j'ai un cerveau, je m'en sers. Ah ouais? Uh-huh. Et alors, t'as mangé là, même pas? Non, pas encore. Pas encore, c'est bien plat. Ah ouais. Il paraît que tu vas te marier, c'est vrai? Je sais pas. Il y a des gens qui le disent. Ouais, il y a des journaux qui le disent. Il y a des journaux, mais ils disent pas mal de conneries. Hein. Ouais. Tu sais, en 3 semaines, ils m'ont marié, séparé et remarié. Donc, va savoir. Et pourquoi ça m'arrive pas à moi des trucs comme ça? Je sais pas. Ouais. Je choisis pas les bonnes mauvaises, je sais pas moi. Tu crois que c'est ça? Non. Je demande mon mariage, on verra bien. Eh, remarque, tu crois qu'il le dirait? S'il le disait. Si ça pouvait faire un peu de publicité, tu sais, c'est l'époque où en ce moment on négocie à la télé. Avec la chaîne, avec les autres chaînes. Ben oui, c'est maintenant, ça commence. Donc si on pouvait annoncer notre mariage, ça, à mon avis, ça me ferait de la pub. Tu crois que ça peut jouer? Je sais pas. Moi, je suis assez underground. C'est vrai. Mais en même temps, pour toi, ça peut être bon. Ça peut m'apporter une certaine crédibilité dans certains milieux. Je sais pas le dire. Ah, c'est ça, hein. Salaud. Et c'est qui le mec avec qui on t'a fiancé récemment là? Il est pas là? Ah bah je sais pas, le mec qui est sur la photo avec moi, je sais pas qui c'est. C'est pas vrai? Ouais. Il est sérieux? Non, je suis sérieux, je sais pas qui c'est. C'est pas Paul Amar? Non, c'est pas Paul Amar. Vanessa m'expliquait que dans ce genre de fête, il faut arriver tôt, sinon il n'y a plus rien à manger. Donc je suis ses préceptes. Alors venez, on va voulez voir quelque chose. Non, ça y est. Ah, ouais. Déjà? Ah oui, je suis rapide. Avant minuit? Ouais. Et je mange très peu, ça va, il en reste. Paul Amar, comme tous les gens qui se couchent tôt, croient que tout commence à minuit. On va à Paris Première. Je sais pas, j'ai plus aucun contact. Il vous garde? Je sais pas. Justement, j'étais en train de lui dire que c'était l'époque où on était en train de négocier. Oui, et vous espérez? Il est sur la mauvaise pente. Ouais. Oui, parce que... Alors, mon futur mari... Elle pense que si on annonce nos fiançailles maintenant, c'est bon pour nos carrières. Respectivement. Ouais. Il vous garde, bien, vous, hein. Vous voulez que j'appelle les paparazzi? À tout à l'heure. Donc, il y en a plein dehors. À bientôt. La photo. Il vous garde, vous? Tiens, posez la question à Sabrina Azoulay et Stéphane Kéré. Bah oui, Sabrina Azoulay et Stéphane Kéré, est-ce que vous me gardez? Regarde-moi bien, je suis une idole. Qu'est-ce que tu vas leur mettre? Pour l'instant, j'ai rien préparé, c'est un petit peu tout à l'avenant. Hein. Bon, ouais. Un petit peu comme les gens arrivent, je verrai à leur tête ce qu'ils veulent. Moi, j'ai une petite idée. Tu vas voir leur tête d'ici, toi? Ouais, bah, oui. J'ai une petite idée de ce qu'ils veulent. Mais... C'est-à-dire, ils veulent quoi, tu vois? On aura droit, par exemple, au jeu de 20h. Ah ouais, bien. Ok. Francis Lay, forcément. Ouais. Canal. L'esprit Canal, ouais. Bon, qu'on retrouve nécessairement en vinyle. Arabesque. Le générique de la 3e chaîne. Gin Tonic. Ouais. Tic Tac, il y a un truc. Mister quoi, K, une émission d'Antenne 2. Ah, je me souviens pas de ça. Moi non plus. Merci Bernard. T'as pas des trucs plus récents, t'as que du vinyle là. Oui, c'est. Oui, c'est oui, voilà. Ah, ils vont pas s'ennuyer, hein. Ah non, c'est. Ça va être chaud.大人の前で思いっきり歌い踊るこの姿私には分かっていたこの日の来ることは分かっていたオーケストラの後ろに拍手に応える私の姿緑も決まり溢れる若さ私の心は高鳴るばかり 知らぬ間に時は流れ微動の服も色あせたライトの光の中で私の肌も年老いていたカバンを一つ道連れに道路へと投げ出されたスターの夢は消えてしまった 落ちぶれた私だもの女優を夢見て街へ来た頃私は16だったわ増江の安アパートで惨めな明日
朝を迎え夢の名残の写真など見ている私もしくれてこう C'est quoi? Vous jouez au baseball? Bah oui! C'est vrai? Bon, ici! Pourquoi? C'est pas pour ça, mais. C'est birthday! Non, mais c'est pas pour moi! Et c'est chaud pour le spectacle! Ah oui? Mais juste avant, comme ça? Bah oui! Because we do lots of back ends. Lots of? Lots of big exercises, so we need to. Ah, ok! Warm. So you need to train just before the show? Just before, so we're warming here. Mais il n'y a pas de française du tout, Olivier. Bah, si, si, si. Il y en a d'elle, pas loin. Il y en a d'elle, juste la d'elle. Cynthia, Marie-Pierre, il y en a. Ah, mais bon. C'est vrai que la plupart sont. Vous venez d'où, vous? Angleterre. Toutes des Anglaises. Non, il y a des. Que des Anglaises. Un mélange de tout. Le Lido, qui est pourtant Paris incarné. Pour trouver la fille si grande, là, il faut chercher partout. Et voilà. Son truc complet. Plume de soie, deux animaux, elle a ce qu'il faut. Son truc complet. C'est pas mal. À 100%. Merde. Tu vois, t'aurais pas dû venir. C'est rien, mais c'est du champagne. J'ai extrêmement mal à l'oreille. J'en ai plein sur ma veste. C'est vrai? Et tu vas voir, elle va s'attache pas. Viens, on va la mettre là et je vais souffler dessus. Pardonne-moi. Natacha, ma meilleure amie qui est danseuse aussi, et Eric, mon meilleur ami. Bonjour. Vous avez des physiques de danseurs. Ah ouais. Et on est cassis. Attends, je vais. Surtout là en fait. Parce que j'ai pas envie d'être coincée vraiment. Tu veux que je le fasse, non, ça va? Merci. Merci. T'es bien, c'est vraiment de ma faute. Ah ouais, non mais attends. C'est toi qui devrais faire ça. Ouais. Et tu filmes? Je croyais que les danseuses étoiles ne pouvaient pas filmer, c'était comme les athlètes de haut niveau. Mais les danseuses, en général, font ce qu'elles veulent, en fait. Ah oui? Ouais. C'est marrant, on s'imagine que c'est un régime très dur, que tu as beaucoup souffert pour non, en arriver si tu veux, je ne fume pas depuis non plus 20 ans. Si tu veux, quand j'avais 13 ans, je ne fumais pas. Ouais. Mais je fume depuis... Ah, ça fait un petit moment que je fume. Tu es danseuse, en fait. Non, depuis... 10 ans, quand même. Non, mais on ne fume pas beaucoup. Hein. Ouais. On va pas croire tu qu'on fume. Tu fumes le soir. Voilà. Ouais, voilà. Voilà. Vous avez fait, j'imagine, tous les trois l'école du corps de ballet de l'opéra. Et alors moi, quand j'étais petit, je regardais un feuilleton qui s'appelait L'âge heureux, ouais, avec Delphine Desieux. Mais je sais que vous n'étiez pas née. Ouais, moi, j'étais née. C'est gentil. Et on avait l'impression que c'était ultra dur. Non, mais c'est très dur. Hein. C'est très dur, ah, vraiment. C'est hyper dur. Vous n'avez pas l'air d'avoir beaucoup souffert pendant le. Non, mais c'est militaire. Non, parce que si tu veux, ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'on en est sorti. Donc maintenant, ça va mieux. On a réglé des choses, on a pris un peu de distance. Mais c'est vrai que... Quand tu es dans le truc, c'est très très dur. C'est une discipline de fer. Tu rentres, t'as à peu près 10 ans. Pour Eric, c'était 12 ans pour les hommes. Oui. Parce qu'en fait, t'avais redoublé avant ou... Non, mais les mecs, en fait, on estime qu'ils déclarent plus tard. Donc, tu peux rentrer dans l'école de danse entre 12 jusqu'à 13 ans. D'accord. Et à partir de 10 ans, les filles, c'est entre 8 et 12. Les filles sont plus mûres. Ouais. Ouais. Elles savent plus vite ce qu'elles tout veulent. Tout le monde le sait, tout le monde le sait. Non, c'est vrai que c'est difficile. Il y a 10 ans, on te traite comme dans les collèges anglais au 19e siècle. Quoi. Ouais, si tu veux, c'est un peu ça. Il y a des punitions corporelles, des choses comme ça. Non, mais quand même, faut pas délirer. Non, non, non. Mais en fait, ouais, on a un peu. Verbalement, on a des atteintes un peu difficiles quand tu as 10 ans, quand on dit que tu es mauvaise, que tu ressembles à rien, que tu feras jamais carrière, que tu feras jamais rien. C'est difficile à assumer, mais bon, je crois que c'est la règle. C'est très dur, ça te forge le caractère. Et je pense que maintenant, on est prêt à assumer beaucoup de choses parce qu'on est passé par là. C'est aussi les meilleurs qui s'accrochent, il y a une sélection naturelle, ouais. Je pense que c'est fait pour c'est ça. Clair dans le discours. C'est comme dans les fusiliers commando de marine. Non, mais c'est clair dans le discours, les gens qui peuvent pas supporter, au revoir. Ouais. C'est tout bête. Et c'est vrai que tu es obligé d'assumer tout ça et de te forger le caractère. Sinon ça marche pas. Et alors maintenant, ça fait combien de 2 ans que tu es dans ces étoiles?
Ouais. 98. T'avais quel âge quand t'es venue dans ce 25 ans. 25 ans et demi. C'est jeune. Parce que je suis née en janvier, j'ai été nommée le 31 décembre. Donc, Moi aussi, je suis née en janvier. Ah, le combien? Le 5. Moi, je suis née le 15. Ouais. Capricorne. Ouais. Ah, terrible, terrible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ascendant Lion. Bélier. Que des cornes, c'est terrible. C'est terrible. Donc, t'étais très jeune quand t'es devenue danseuse étoile. Ouais. T'avais jeune, même pas... 25 ans, c'est bien, quoi. C'est pas ni trop jeune ni trop vieux. Il paraît que toi, t'es spéciale parce que t'avais même pas dansé les grands ballets. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, j'avais dansé, si tu veux, quand t'es premier danseur, enfin première danseuse, le grade juste en dessous d'étoile, t'as de temps en temps des petits rôles, tu vois, pour te tester, pour voir un petit peu si, ouais. Si tu gères un ballet en trois actes, parce que c'est très difficile physiquement. Donc j'avais dû danser deux voire trois ballets maximum en tant que première danseuse. Donc c'est vrai que là, si tu veux, cette saison, j'ai eu que des prises de rôle. C'est-à-dire que j'ai découvert. Tu découvrais chaque fois tout. Ouais. Remarque, les acteurs, c'est pareil. Hein. Ouais, mais ce qui est difficile, c'est que quand t'as étoile, t'as plus droit à l'erreur. Donc c'est difficile parce que je connais pas le ballet, faut que je danse comme une étoile, mais en même temps, je connais rien du ballet. Donc c'est un peu dangereux. Des fois sûrement, ouais. Sûrement. Toi qui étais là. Non mais c'est ma copine, elle va pas dire mes frères. Non mais je pense que te planter en fait c'est d'être à côté d'un rôle. Je sais pas si j'ai été à côté d'un rôle. En tous les cas ce que je sais c'est que je vais mûrir et que dans 2-3 ans les ballets que j'interprète maintenant seront forcément mieux au niveau de la maturité et artistiquement parce que j'aurai évolué. Là c'est un peu, tu vois, lancé comme ça. Il y a une part de comédie, moi j'ai vu des ballets, je trouve qu'il n'y a aucune part de comédie. Il n'y a aucune part de comédie? Non, mais dans le sens d'acteur, tu vois. J'ai pas l'impression que tu joues le rôle, j'ai l'impression que tu le danses, mais tu ne le joues jamais. Ah si, tu le joues. Si, parce tu que joues. T'as plein de passages dans un ballet en trois actes où tu n'as pas à danser. T'as juste à avoir des... Il y a ce qu'on appelle des pantomimes. Ouais. Alors évidemment, c'est des gestes parce que nous, on n'a pas droit à la parole, malheureusement. C'est un peu frustrant parfois, d'ailleurs. Surtout que t'as une jolie voix, c'est dommage. Dans les ballets contemporains, c'est... Merci. Dans les ballets contemporains, de temps en temps, on te fait parler, mais c'est assez rare. Ouais. Mais si, il y a un vrai jeu de comédie. Parce que ça consiste à regarder l'homme que tu aimes. Je demande à un acteur de jouer la comédie sans la parole. Ouais. Ça peut être intéressant. Ouais. T'as tout un langage vachement connu. Je sais pas, je t'aime, je vais mourir. Enfin, tout ça, comment c'est tu dis codé, je t'aime quoi. Alors c'est vrai que c'est un peu codé quoi. Je t'aime, c'est en fait tu te prends le cœur avec les deux mains. Oui, c'est pas compliqué, je m'en doutais un peu ça. Genre je veux me marier, c'est que tu montres. Voilà. Et je jouis. Il n'y a pas ça, mais on va chercher. On le danse, ça, on le danse. Voilà. On le danse. Tu sais, quand tu sors de l'école, tu n'as rien connu. Tu n'as rien vu, tu n'as rien connu. Donc tu sors de l'école à l'âge de 16 ans à peu près. Et c'est vrai tu sors du bagne, en fait. Voilà, tu sors du bagne. On a une petite période où on a envie de voir ce que c'est, quoi, que la vie, de sortir, de voir. Tu es née à Paris ? Ouais, je suis née à Paris. Donc c'est vrai que j'ai eu une période entre, je sais pas, 16 et 22 ans où je suis pas mal sortie parce que j'avais envie de m'éclater. Et alors, comment ça danse une danseuse en boîte ? Bah écoute, je vais te montrer. Ça danse comme les autres ? Ouais, ça danse comme les autres. Et tu trouves que les gens dansent bien dans les boîtes de nuit ? Moi, je trouve que dès que c'est particulier, dès que c'est personnel, ça me plaît. J'aime pas trop le côté je danse pour séduire ou pour me regarder danser. Attends, toi, un mec qui t'invite à danser le rock, par exemple, il se sent ridicule après quand il découvre que t'es danseuse. Non, parce que je danse pas très bien le rock, hein, c'est une technique. Hein, c'est tu comme danses tout. Pas tout bien. Eh non. Ouais. Eh non. Par exemple, ce que vont faire les filles du Lido, ça se trouve, tu sais même pas le faire. Bah, je vais te dire. Ça, vous l'avez pas, ça, Garnier, hein, les lasers. Non. Là, hein, c'est autre chose, hein. Regarde. On va faire Garnier ou Bastille ? Garnier. Ah bon ? Non, ouais. Bastille, c'est pas bien ? C'est pas que c'est pas bien. Bastille, quand tu te retrouves en scène, c'est bien. Mais si tu veux, c'est un côté un peu Galerie Lafayette, tu vois. Tu prends l'escalier roulant pour aller en scène, c'est un peu... Ça manque un peu de chaleur. T'en fous, tu passes pas par l'entrée du public, toi. Ouais, mais ça a pas de vécu, ça a pas d'histoire, ouais. Ça... T'as pas les seins nus, toi ? Non. Ah si, une fois. Dans un ballet qui s'appelle Le Sacre du Printemps de Pinabouche, j'avais un sein à l'air. Mais bon. Et maintenant, le Lido présente la nuit des miracles fantastiques et les bluebells magnifiques. C'est les chapeaux ? Ouais. Ils ont une collection incroyable. Ça doit peser une tonne, ça. Ouais.
a du monde, hein. Ouais, il y a autant de monde pour vous qu'ici? Beaucoup plus. Il y en a plus pour vous. Et c'est bien payé dans ces étoiles? Par rapport au travail fourni, moi je trouve que c'est pas assez. Je ne demande pas combien parce que je n'ai pas le droit de le dire. Mais bon. Je sais pas, faudrait comparer avec elle. Je vais peut-être changer. Tu saurais le danser, ça? Bah oui, c'est pas compliqué, ça. Bah, je sais pas, je me rends pas compte, moi je danse pas. Non, c'est pas très compliqué. Ah bon? Magnifique! Il va falloir de grandes jambes, hein? Hein? Il va falloir de grandes jambes. Mais j'en ai des grandes, hein? Tu mesures combien? 1m67. Ah, tu serais pas prise ici. Avec le talon. Ça, c'est l'étoile. Moi, je la connais. C'est qui? Alors, elle, je me souviens plus de son nom. Mais elle a pris des cours avec moi. J'ai commencé avec un prof qui s'appelait Max Bozzoni. Et elle prenait des cours avec moi. Et j'avais fait un reportage. Comment elle s'appelle? Marine quelque chose, non? Je la connais, elle. J'aimerais bien aller la voir. Tu veux pas qu'on aille la voir après? Ouais. Non, parce que les danses que tu fais, c'est bien joli, mais ça s'exporte pas, tu vois. Sorti de l'opéra, on peut plus l'utiliser. Si. Attends, c'est... Ça sert à quoi? Ça, dans les mariages, t'es pas... dans le mariage, tu t'es... Non mais attends, je vais t'offrir une place, tu vas venir à l'opéra, on en reparle après, ok? Dis-moi dans quelles circonstances que tu danses à l'opéra, tu peux le danser à l'extérieur? Tu peux danser au Japon, cet été je pars un mois au Japon danser. Bien sûr, mais je veux dire à l'opéra ou dans des opéras internationaux. Bien sûr, mais les actrices, tu les demandes pas de jouer dans un dîner entre amis. Elles vont jouer dans un film, c'est pareil. Ah oui, non mais les actrices, par exemple, elles continuent d'être très bonnes comédiennes dans la vraie vie. Tu vois, alors que toi, est-ce que tu danses dans la vraie vie? Non, mais je suis une très bonne comédienne dans la vie aussi. Tu vois, quand tu es une super danseuse de salsa, t'épates tout le monde au Bus Palladium. Ouais. Non, mais moi, je me vois mal faire le grand écart au Queen. Voilà. C'est ce que je regrette. C'est sûr. Ce que je regrette. Pas moi. Places I'll remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. Lovers and friends, I still can recall. Some are dead, and some are living. In my life, I've loved them all. Friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning
love was something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I'll love you more. In my life, I'll love you more. C'est une journée avec le spectacle, c'est une journée avec de l'amour. Mais c'est ça qui est difficile. Le jour de relâche, c'est très triste. Tu vois, parce que le même spectacle où il n'y aurait que de la virtuosité, bon, on dirait c'est formidable. C'est lui, parce qu'après 10 minutes, les gens se disent bon, on a compris que tu te charges de costume vite. Et alors ? Non, ce qu'on n'a pas compris, ce qu'on se demande tout le temps, moi j'arrête pas de me demander, ils sont combien derrière ? Tu vois, c'est ça que je me demande tout le temps. Il y a toute une football team derrière. Il y a 11 personnes dans tout le théâtre pour faire bouger toute la machinerie, pour me passer les trucs, parce que tu sais, dans le noir, moi je rentre. Soi-disant dans les coulisses, c'est noir, je dois trouver tout de suite le chapeau, la perruque, le canne. Il t'est arrivé à des moments, là ce soir, il n'y a pas eu un moment où t'as, non, t'as cru que t'allais pas trouver le truc ? Non, ce soir, ma peur, c'était ça, qu'on n'avait pas encore mis des petites lumières au bord de la scène. J'avais peur de tomber dans le public, parce que dans le noir, je cours vers le public, et je dis merde, je vais tomber dans les bras de la madame premier rang. Elle n'était pas plus, mal, remarque. Elle non. Était... non, elle était pas... non. Petite grosse, tu vois, à 50 ans. Il paraît que tu as fait le petit séminaire, toi, c'est oui, vrai ? 6 ans. Qu'est-ce que tu as appris là-bas ? J'ai appris à me maquiller, à me déguiser. Ah oui, on apprend ça au séminaire, mais en Italie. Tu sais, on fait beaucoup de cérémonies, avec de la fumée, avec... Non, mais on apprend plein de choses, parce que séminaire, c'est pas comme dans le dernier siècle, c'est le séminaire moderne. Alors, il y avait plein de clubs de théâtre, le club de football, le club... Ah oui, moi, c'est comme en prison, quoi. Mais oui, parce qu'il faut passer le temps, faut pas... Enfin, il n'y a pas les femmes, parce que, bon, on était trop jeunes, on était 11 ans, tu sais, ça va. Mais j'étais très timide, alors ça m'a beaucoup usé. C'est très utile, le séminaire, pour sortir de ma petite carapace, dans ma petite boîte. Et puis, heureusement, j'ai connu un prêtre qui faisait les tours de magie, et qui fait encore les tours de et magie. Et qui t'a appris Oui, plein de... Et le prêtre que tu fais dans ton spectacle, en fait, c'est ce prêtre-là? Oui, c'est pas... physiquement, lui, il est gros, il est habillé très comme ça, il a le cellulaire, lui aussi, il a une grosse voix. Parce qu'il fait 300 spectacles par année. Ah oui, c'est un prêtre vraiment malin. Il a adopté 90 enfants dans le tiers-monde. Ah ouais. Oui. Non, ouais, je l'estime beaucoup. C'est qui tous les gens là? C'est ta famille ou c'est des admirateurs? Ça, c'est... Oui, c'est un peu des copains, un peu de ma famille. Parce que c'était drôle, le début. Il y a monsieur le producteur. Quand j'ai vu ta tête, tu avais ta tête sur toutes les affiches, et je me disais, qui est ce mec? Tu vois, on te voyait partout. À l'affiche, voilà. C'est comme ça. Ouais. Et on se demandait, qui est ce mec? Il est inconnu. Et ça a été vite. Hein. Oui, bonsoir. Ciao. Le directeur général du Parc. Oui, je me rappelle, monsieur Brewster. Oh là là. Vous savez. Il y a 23 ans. Oh, oui. Il y a 23 ans, je te disais. Il y a 21, pas 23. Ça va. Je te disais Arturo. Non, je t'en prie. Sinon, je dirais que je suis le grand-père de moi-même. Tu vois, t'as 39 ans, en fait. Je n'ai 30 quelque chose. Il n'a pas encore 40. Il n'a pas d'âge. Voilà. Je n'ai pas d'âge. Voilà. Sous le masque, il y a Dorian Gray qui est devenu squelette. Voilà. Mais... Voulez-vous faire la vie? Quel parcours magnifique. Ouais. Merci beaucoup. C'est mais c'est ton fils, c'est toi. Les lunettes. J'avais 14 ans, moi. Elle les lunettes. Les lunettes. Je me rappelle pas. Tu avais les lunettes et cheveux noirs. Il avait des lunettes. On dit, ben, vieux, tu vois. Quand on commence à te dire, oh, j'étais, quand j'avais 14 ans, je te voyais. C'est terrible. C'était comme pour nous voir, je sais pas, tu vois, Mireille Mathieu, mon pire, tu vois. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds can show much resistance from behind. Everything's fine with shout. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. T'es bronzé, hein? T'arrives d'où, là? J'arrive des Landes. Children, what's that sound?
Comment il s'appelle ton court-métrage déjà ? Ce court-métrage-là s'appelle « Attirance envers le vide ». Et t'es vraiment attiré par le vide ? Je suis vraiment attiré par le vide. Personnellement, j'ai le vertige, ouais. Et, c'est vrai, oui. Cette, une attirance du vide vraiment très très manifeste. Voilà, c'est là. Allez, d'ailleurs, t'as vu ce qu'il y a écrit sur la pancarte ? Ouais, c'est bon, c'est là. Entre. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce qui est marqué ? Attention au vide. Et là, c'est à droite. Tu vois, c'est marrant, je ne l'ai pas filmé, ça, en plus. Tu vois ? Voilà, c'est là. Donc, d'ici, il y a plein de... Comment dire, absolument plein de détails qui sont, que moi, je trouve tout à fait croustillants. Du genre, cette petite ampoule, ce truc rouge, le carrelage blanc, la structure... Et c'est beau, c'est le vrai métro d'autrefois. C'est le vrai métro, les lignes de... Les lignes de, comment dire, de courant là, qui passent et qui partent, les tuyaux qui passent en dessous. Et là, ce qui est formidable ici, et là c'est un peu dangereux, il faut faire attention parce que la ligne est électrifiée, c'est qu'on a vraiment la vue sous le métro. Ouais, la vue sous le métro. Qui sont quelque chose, n'est-ce pas, qu'on a rarement l'occasion de voir. C'est vrai, tu as raison. Et là, on a le... Et là, t'as des toilettes en plus. Et après, on va descendre dans le petit couloir en dessous. Et comment t'as trouvé cet endroit ? J'ai trouvé cet endroit parce que comment dire, petit moment d'immodestie, j'étais le roi du repérage avant quand j'étais assistant réalisateur. Et j'ai toujours adoré. Et là c'est super, viens voir. Fais gaffe, c'est électrifié, là, c'est super dangereux, hein, c'est sous tension. Ouais, c'est beau, ça. On est sous le métro. Et ça, pour moi, c'est vraiment une super image. T'es attiré par le vide, t'es attiré par la mort aussi. Pas du tout, non. Par contre, j'ai pas spécialement peur de mourir, mais je suis pas attiré par la mort. Écoute, ça va faire la quatrième fois que je viens. J'ai jamais rencontré personne. Je sais pas qui... À quoi c'est destiné. Qui vient dans ces petits locaux. Ouais. J'ai beaucoup aimé ton dernier livre. Qui se passe... Dans le cinéma. Dans le cinéma, justement, ouais. Comment il s'appelle ? J'arrive pas à retenir le titre. Ça s'appelle « Les souris ont parfois du mal à gravir la montagne ». Voilà. Tu parlais donc, pour toi. Évidemment, je parlais pour moi. Ce qui est important, c'est d'avoir des expériences fortes. Là, justement, il y a quelqu'un qui me demandait si je regrettais d'avoir fait un film. Moi, absolument pas. C'est que le film ait marché ou pas n'a, à la limite, beaucoup moins d'importance. Tu sais que c'est... Je fais une parenthèse, c'était drôle. Hier soir, j'étais devant mon vidéoclub. Tu sais, c'est un vidéoclub, tu sais, tu mets ta carte et tu tires une cassette. Il y avait trois mômes qui étaient là et qui cherchaient quel film ils allaient prendre. Et ça a duré une plombe. Et à la fin, ils ont pris Cantique de la racaille, film. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est un copain à moi qui l'a sorti en vidéo, de manière totalement ignominieuse. Il a mis Samy Nasser et en gros... Oui, le héros de Taxi. Le héros de Taxi, s'il avait pu mettre produit par Luc Besson, à la place de mon nom, il l'aurait fait. Et grâce à ça, le film a fait un carton en vidéo club. Oui, il marche très bien en vidéo. Il marche très très bien en vidéo. Et comment ça se fait que t'en as chié autant avec les techniciens ? Parce que les scènes que tu racontes sont irrésistibles. Moi, j'étais un peu sur le tournage, mais je me rendais pas compte à quel point t'étais dans une guerre de tranchées comme ça. C'est à la septième semaine qui est toujours un moment charnière parce qu'on est épuisé, qu'il en restait tout de même, là on commence à être vraiment à bout. Et un matin, il y a un de mes potes qui est venu, il était 6h du matin et qui m'a regardé, il m'a dit, tu sais, ils te haïssent là maintenant. Et je l'ai regardé et là, à ce moment-là, jusqu'à présent, j'en avais rien à foutre. Il y a quelque chose qui s'est vraiment, mais qui s'est fondu en moi, quoi. Et j'ai passé la fin du film vraiment avec la batte de baseball à la main sur les nerfs. Et tu racontes bien Cannes, t'es le premier qui donne une vision de Cannes. Je trouve aussi juste, c'est-à-dire comme un endroit ignoble, le salon du cinéma, le temple de la vulgarité, tu vois ? Oui, le temple de la vulgarité. Oui. Alors que tout le monde veut en faire un endroit glamour, irrésistible, alors que tous ceux qui y sont allés savent que c'est pas vrai. Et t'es le premier qui enfin dit la vérité. Ben, je pense pour une raison aussi simple, c'est que la toute première fois que j'y allais, donc j'étais vraiment totalement vierge. J'étais, moi, quand on m'a dit que j'allais à Cannes, c'est vrai que j'étais tout de même encore dans une image un peu mythologique. Oui, celle qu'on te donne à la télé, Ça m'en a bouché un coin. Et c'est vrai que quand on arrive et quand on voit ces malheureuses petites marches avec ce petit bout de moquette rouge pelé, Tu te souviens dans quel état tu les as montées ? Parce qu'on les a montées ensemble. Oui, exact. Oui, oui. Tu te souviens ? C'était. T'avais pas de chaussures. J'avais pas de chaussures et j'ai dû emprunter. Non, t'as dû acheter, je me souviens. T'as acheté un mec avec 200 balles ses pompes juste pour monter les marches. Exact. Ouais, avec 200 balles et une invitation pour une fête du film de Chéreau que j'avais dans ma poche. Ouais. Et c'était. J'avais le smoking du producteur qui était trop grand et qui me faisait un espèce de. Tu faisais pas sérieux du tout, quoi. Non, je faisais pas sérieux, oui. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ça, c'est des vieux métros, vieilles banquettes de métro qui ont été lacérées. Qui ont été lacérées par les jeunes ? Ouais, ouais. C'est forcément des jeunes qui ont fait ça. Bien, écoute, il faut l'espérer, Frédéric. What it is ain't exactly clear. Now there's a man with a gun over there. Telling me
I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. There are battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds, but they are getting so much resistance from behind. Stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. Je suis chanteur. Ouais. En fait, t'es pas si je passe pas. Ça. Non, je passe pas ça à la télé. C'est pas ça, je suis là. Chanteur. Dans France. Oui, un groupe. Je m'appelle Thomas Fersen. Ah merde, d'accord. Ma tête est pas connue. En fait, on t'entend plus qu'on ne te voit, c'est ça le truc. Quand je bois une bière de bohème, pas le moindre éléphanto, je reçois Mademoiselle Irène dans le réduit de mon cerveau. Elle illumine ma lanterne, certains prénoms sont si beaux. Je reçois Mademoiselle Irène comme une colombe dans mon chapeau. Ici, il y avait autrefois une prostituée qui... dont je me suis servi pour faire une chanson. Ici? Exactement là, oui. Ah ouais? Ouais. Et je me souviens, c'était des prostituées assez vieilles et laides. Non, elle a vieilli, quoi. Mais enfin, hein? Moi, j'avais 10 ans il y a 27 ans, quand même. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle était brune et elle avait un peu un air d'indienne. Ah ouais? Je sais pas, elle était encore là il y a quelques années. Bon. Tu lui as jamais dit que tu avais fait une chanson sur elle? Pas directement sur elle, mais je me suis toujours souvenu d'elle. D'ailleurs, ça a un petit peu déterminé, c'est marrant. J'aimais cette femme-là et ce genre de femme. Et Irène, ta dernière chanson, c'est inspiré de qui? C'est un jour, j'ai rencontré... Enfin, Joseph Racaille m'a présenté une jeune femme qui s'appelle Irène. Ouais. Et je suis très sensible au prénom, ça m'a plu. Je trouve que c'est un prénom classique qui est un petit peu hors du temps, comme ça. Oui, c'est vrai. Je reçois Mademoiselle Irène dans le réduit de mon cerveau. Est-elle cette maison de reine dans votre annuaire des châteaux? Si je pouvais saisir les rênes, détourner cette rame de métro et prendre la fuite à Varennes au lieu de me rendre au bureau. Fersen, c'est ton vrai nom ou... Non. Tu l'as choisi pour l'amant de Marie-Antoinette? Entre autres, ouais. C'est drôle. T'étais amoureux d'une Marie-Antoinette, c'est bon? Non, mais d'abord, je trouvais que c'était joli. C'est vrai que c'est un joli nom. Puis moi, je suis un roturier, alors prendre un nom de... Après tout, on a tout pris. Et Thomas, tu l'as piqué à qui, alors? Ça me plaisait aussi, j'aimais ce prénom. C'était pareil, un prénom hors du temps. Autant, tu veux être hors du temps, toi, européen, c'est ça, ton truc. Ouais. Autant, ouais. J'essaie. Pourtant, t'as été punk en 77 comme tout le monde. Voilà. C'est là le catabar. Là, à mon avis, tu vois, autrefois, il y avait une prostituée avant. Devant. Bien souvent, non, je ne sais pas ce que tu fais, ni où tu vas. Mais quand je rentre, je veux du respect. Oh oui, hé 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 hé. Ne joue pas ce jeu avec moi. Je veux bien t'offrir tout ce que tu n'as pas. Tu ne me dois rien, mais quand je rentre, je veux du respect, tu le sais. Hey, 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 hey. C'est mon droit. Tu comprends que j'en ai assez. Je ne veux pas te supplier de m'aimer. Je n'aime pas mentir, mais je veux du respect, tu le sais. Hey, 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 hey. Du respect. De l'argent, c'est ce que tu veux. Devant tes folies, je ferme les yeux. Mais quand je
je passe la porte, j'avais du respect. Sound down, sound down, sound down. Tu vas bien ? Très bien. Alors, j'ai écouté dans ma voiture Pourquoi tu pars ? Oui. C'est vachement bien. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah, je trouve ça vachement bien. C'est tout ? Attends, déjà pas mal. Alors, tu voulais quoi ? T'allais dire que c'est extraordinaire. Et alors donc, t'arrêtes complètement le X, tu n'as plus en entendre parler ? Eh oui, il faut s'informer, ça fait 2 ans que j'ai arrêté. Eh oui, je sais pas, mais on se rend pas compte, tu sais, parce qu'après, tu vois, il n'y a pas les dates sur les films. C'est pas comme dans le cinéma traditionnel. Il y a des dates quand même sur les films. Oui, mais enfin, je sais pas où ils les mettent en tout petit, et même, mais même pas en chiffre romain. Et là, c'est les lunettes qu'il faut garder. Hein. Je sais pas où ils les mettent, quoi. Ils m'ont oublié, mais c'est tu pas crois grave. C'est pas possible, personne t'oublie. Ah, bah voilà. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir le même, s'il vous plaît ? Merci. Allez, c'est suave et sirupeux. Tu ne fais pas dans la dentelle. C'est un petit cocktail. Merci beaucoup. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, tu es plus libre de mener ta carrière comme tu veux ? Non, j'ai toujours été libre. J'ai toujours choisi. Tout ? Toujours. Ouais. Et oui. C'est dur ? Eh bien, il faut avoir les épaules bien solides et la tête dessus. C'est dur, oui et non, quand on est bien entouré. Pardon, excuse-moi. C'est ma spécialité, j'arrête pas de renverser des... Quand on est bien entouré, en général, on est soutenu, donc c'est pas si dur que ça. Évidemment, il y a un travail derrière qui est difficile, ouais. Mais autrement, non. Il faut savoir où on va. Et toi, tu sais ? Bien sûr. Et tu sais où tu veux aller ou... Je sais où je veux aller, oui. C'est où ? Très loin. Le regard posé sur l'horizon, j'effacerai de ma mémoire tous les regrets, les sentiments à tout jamais. Je voudrais retrouver le sommeil, fermer les yeux, penser à nous, imaginer que ce soit possible. L'homme le plus séduisant du monde. Bonsoir. C'est à toi ? C'est qui ce petit ? Non, c'est pas à moi, mais je te promène avec lui. C'est à qui cet enfant ? C'est l'enfant d'un saxophoniste magnifique qui s'appelle Lionel Belmondo. Ah oui. Et qui vient, en plus de cet enfant, d'avoir un sax qu'il a obtenu après avoir emmerdé Selmer, la fameuse marque qui fabrique des saxophones, pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, ils ont bien voulu refaire un modèle de saxophone qui n'existait plus. Qui n'existait plus et qui sonne particulièrement bien. Vas-y. Ah oui, on va voir le sax. Bon alors Lionel. Oui, c'est absolument confidentiel, il faut absolument pas que je le montre, nulle part. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas sorti et c'est un prototype et il sort au mois de juin. Donc je peux pas il le... Il fait toc. C'est pas vrai. Son ami est très, non, il a vu sympathique. Que c'était pas un vrai saxophone. Il est très sympathique. Non mais... Attends, il fait bizarre, non ? Ah non, c'est justement. Parce qu'il est pas verni. Ah, c'est pour ça. Bah, voilà. Il est ce qu'on appelle passivé. D'accord, voilà. Et donc, oui, il fait un peu en chocolat, ouais, le seul, d'accord. Le seul truc qui compte, c'est qu'il sonne. Ah, il est où ?
ouais, ça enfile en coin. Est-ce que tu sais jouer? Est-ce que tu sais jouer Porqué Tevas? Tu sais jouer? Alors je vais t'expliquer un truc, ça ouais. C'est le Lionel Mondo qui parle. Ouais. Je ne suis jamais compromis une seule seconde, je joue ce qui me fait plaisir. T'aimes pas Porqué Tevas? Non. Ah parce que, non, parce que Laure, elle vient de faire un disque, ce qui est une reprise de Porqué Tevas. Je crois que tu connais, en fait, ce thème-là. C'est que je connais. Ouais. Il n'a pas dit de gros mots. Non, tu, ça me plaît. Tu aimes ce thème? Mais oui, elle a fait un disque. On peut l'écouter. Tu veux le chanter? Ah, vas-y, ouais, tu vas nous le jouer. Ben, je... Est-ce que vas-y. Tu veux qu'elle... Vas-y, donne-moi les copines. Comment quelle tonalité? Ce sont de... Non, 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 je le tiens, il est caoutchouc. Il n'y a pas de colonne, elle ne peut pas. Non, mais quand même. Non, il est avec Merveille, c'est pas un casque à la rue. C'est pas tout à fait ça. C'est pas ça. Ta 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 ta. Do, la, do, très bémol. Voilà. Alors quand j'ai lu mon concert Ma Jaguar, j'ai absolument tout cru. Alors que... Quand je lis tes livres, je crois tout. Hein? Je crois tout. Je me souviens déjà dans Je vieillis bien, il y a une scène formidable où tu te faisais sucer par un clochard. Alors que je l'ai cru. Et ben je l'ai cru. C'est le problème avec toi, on te croit tout le temps. Quel rebelle. Tu vois? Et je me suis dit, c'est sûr, Jackie l'a fait, quoi. Ben écoute, oui, il y a des... je sais pas, moi je me souviens même plus, il y a longtemps que j'ai pas lu mon livre. La part de vérité... En tout cas, ce qui est vrai, c'est que j'ai obtenu le permis de conduire. Oui, ça, c'est bien. Et ça... C'est un grand pas dans ton existence. Je dois dire que dans ce livre, je dis que c'est pour affirmer une certaine... Qu'est-ce qu'il y a? Tu doutes de ce que je dis? Hein? Mais tu te souviens, une fois, je suis venu chez toi, comme ça, je t'ai dit, tu peux la garer, j'y arrive pas. J'ai fait que tu cherches pour que tu me la gares. Mais j'ai pas été... Si, une fois tu m'as garé la voiture. Mais c'était pas la Clio. Je venais de passer de permis, puis toi, c'est pas une Clio. C'était pas une Clio. Tu dis, ça fait un peu Alzheimer, votre discussion. Quand on lit tes livres, on a toujours l'impression que tu as jamais d'argent et que le peu que tu as, tu le donnes à tes amis. Donc, est-ce que c'est vrai? Non, j'en ai jamais... Je t'en ai jamais donné. Moi non plus. Mais bon, attention, hier. Je t'ai jamais donné l'argent non plus. À l'entendre, on dirait qu'il fait vivre 15 personnes. T'as peut-être oublié. Alors, c'est oublié. Je soupçonne. J'ai oublié de t'en donner. C'est vrai, tu prêtes beaucoup d'argent. Donc, c'est vrai. Non, c'est vrai que je donne des coups de main à quelques copains. Et alors, oui, et puis en même temps, je suis pas si généreux que ça non plus. Tu fais vivre quelques bistrots en plus. Tu distribues, mais tu marques quand même. Non, non. C'est normal, il en a pas beaucoup, il arrête pas de le dire. Non, j'arrête. C'est vrai que je n'écris des livres que quand j'ai plus d'argent, pour toucher une avance. Donc, on voit que des livres où je raconte que j'ai plus d'argent, mais dans les périodes où j'en ai, on n'entend plus parler de moi. Quand je pense qu'on pourrait être... Au lieu d'être là, on pourrait être dans un camp avec des officiers qui nous mettent des coups de botte. Pourquoi t'as fait un truc qui mérite ça? Non, je sais pas, mais parce qu'il y a des situations différentes dans la vie d'un homme. Ouais. Bah, t'as rien fait de subversif ces derniers temps? Bah non. Mais là, jamais rien fait. Je vais te dire un truc. J'ai... Tu dis que... Attends, le subversif, c'est... T'as tué quelqu'un, ça se Tu dis que t'as... D'ailleurs, c'est ça qui est bien, c'est que... Ce qui est bien chez Jackie, c'est que... Il aime pas le subversif. Et c'est ça qui est subversif chez lui. Thank you.
Ah, c'est la première fois que je vois une fille qui normalement est toute nue dehors et s'habille pour rentrer chez elle. C'est le contraire. Mais là en fait, j'ai pas tout enlevé. Après, je vais tout enlever. Ah oui, sous ma couette. Ah, sous ta couette. Voilà. T'habites vraiment ici? Pas que, mais ouais. Entre autres, ouais. Pourquoi tu voyages beaucoup? Ouais, je veux. C'est moi, ouais. Diosa. C'est ton nom, Diosa? C'est mon nom de scène. T'es quoi? Comment? Tu fais quoi dans la vie? Eh ben, je suis danseuse. Oui, c'est pas mal, je m'en doutais un peu. Ça se voit pas, non?